tu as des choses qui n'avancent pas. Tu tournes peut-être, et donc savoir que tu as des fondations à nettoyer, peut-être tes enfants ont le même problème que tu avais, tu as le même problème que ta mère avait, tu te maries, tu es rejeté, l'homme t'abandonne, il parle d'une autre femme, on a vu la même chose à ta mère, ou bien ton père était mort quand tu avais 5 ans, ta mère t'a élevé seule, ou bien tu as grandi sans ton père, tes enfants sont en train de grandir sans leur père. Donc quand tu vois des cycles répétitifs, ça veut dire que c'est dans la fondation, c'est dans ta racine. Voilà. Donc dans ce qui vous avez des encens, que vous brûlez les encens dans votre maison, je vous en prie. Ça va enlever les mauvais esprits. Donc vous retirez une brindille des encens, une brindille, vous brûlez ça, une de chaque soir. Donc dans ce même kit, vous avez cette poudre que j'appelle maison antique. Cette poudre, vous pouvez prendre, vous mettez dans les quatre coins de chaque pièce de la maison, vraiment juste une pincée. Après, la même poudre, vous la prenez, vous frottez ça sur le front, ok? J'update mes choses tout le temps. Sous le front, ça sent très puissant, c'est très puissant. Dans le creux du coude, ici, là, vous voyez le creux du coude, vous frottez ça là, sur les deux côtés. Vous frottez aussi ici. Donc, ça peut être devant ou derrière, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous frottez aussi sur les genoux, sur vos genoux. Donc, quand vous frottez, ça va beaucoup chauffer. Cette poudre aussi, ça va chauffer. Et puis, vous frottez aussi sur la poitrine, là où il y a le cœur. Et vous mettez aussi derrière. Ça, c'est vrai. Ce sont les entrées sataniques, en fait. On va vous frotter, c'est pour serrer ça en fait. Voilà. Donc vous avez la poudre de désengloutissement. Vous faites bouillir cette poudre-ci dans 3 litres d'eau. Deux jours, vous buvez un verre matin. Petite fondation coûte 50 000. Deux jours, vous buvez. Le troisième jour, vous prenez un verre, vous bugez avec. Et le jour où vous bugez, vous ne buvez pas. Donc je me puge avec ça deux jours. Premier, deuxième jour. Le troisième jour, pardon, je bois, pardon. Je bois le premier, deuxième jour. Le troisième jour, je me puge. Quatrième jour et cinquième jour, je bois. Sixième jour, je me puge. Ok? Si vous avez les trucs dans votre corps, là, vous allez, ça va sortir. Il y a une dame qui a fait témoignage l'autre jour, je vous ai fait écouter. Elle a dit, quand elle a utilisé cette poudre aussi, elle a fait la selle tellement, pendant deux jours, ça sentait tellement mauvais, c'était dégueulasse. Elle n'est pas au boulot pendant deux jours. Mais déjà, elle dit qu'elle sentait que les choses qu'on a mis dans son ventre tentent de sortir vraiment. On a le donne-moi tout. Le donne-moi tout peut s'utiliser. Soit tu te parfumes, tu mets sur les mains, tu me frottes ici, tu demandes quelque chose de particulier, tu mets aussi sur ton cou. Et tu peux aussi mettre quelques gouttes, 5 ou 7 gouttes dans l'eau avec le sel pour te laver. Donc, dans ce carton, on a aussi le sel, plusieurs couleurs de sel. On a aussi ce sel-ci, vous le mettez ça comme si c'est la déco à la maison. Donc, il y a des pierres dedans, des cristaux. Donc ça, vous me déposez dans un plat, vous déposez à la maison, ça chasse les mauvais esprits. Donc, vous avez aussi du gel. Donc, il y a aussi ce gel-ci, on a deux gels. Les couleurs peuvent changer, mais le principe principal avec le kit fondation, c'est la cendre qu'il y a dans le gel. Vous voyez bien, il y a la cendre ici, voilà la cendre à l'intérieur. Donc, quand vous êtes des experts, vous pouvez rajouter encore même votre cendre dans le gel. Vous lisez, cette cendre a été faite, on a prié dessus. Donc vous-même encore, vous lisez le psaume 35 dessus. Et vous utilisez, voilà l'huile rouge. L'huile rouge, je frotte sur mes pieds en disant, si jamais j'ai une malédiction générationnelle, toute malédiction, toute fondation négative, toute malédiction qui m'a été passée par mes parents, qui vient du village ou d'où je sors, j'enlève, tu frottes l'huile rouge sur ton pied. Après avoir frotté l'huile rouge, maintenant, tu prends le gel ici, avec la cendre. Tu frottes sur tout ton corps en frottant, tu parles. Parce que s'il y a des mauvaises, s'il y a des mauvaises, j'appelle ça comment, des détecteurs, on va dire comment, il peut avoir la malchance qui te suit tout le temps. Et ça, c'est dû à ton odeur spirituelle. Donc, quand tu te frottes avec la cendre aussi, c'est un peu comme si tu remettais les piles à zéro. Tu te frottes avec ça, tu fais ça pendant 3 jours, tu te frottes partout. Après, quand tu te frottes tout le corps, tu as l'eau dans laquelle tu as mis le sel avec le sel avec quoi? Avec le parfum, voilà. Tu prends donc cette eau-là, tu te laves avec. Maintenant, dans ce kit fondation, on a ça. Ça, c'est une poudre que vous léchez. C'est plus petit que la poudre maison hantée. La poudre maison hantée, c'est ça. Un peu plus énorme. D'autres personnes avaient reçu sûrement, dans votre kit fondation, il y avait la poudre écorce. Il y avait l'écorce plutôt. Donc, on a maintenant écrasé l'écorce. Maintenant, on fait ça en poudre. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous avez les causes dans votre équipe, c'est maintenant ça qui rentre. Donc vous mettez dans les quatre coins de chaque pièce et vous frottez ça sur votre front comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça on lèche. Vous léchez ça le matin,
Quand vous êtes dans le lit, vous mettez avec l'huile d'olive. Sans mettre les pieds au lit, tu envoies dans le lit, tu lèches. Contre les poisons de lit. Donc, on a le sel. Maintenant, quand tu finis ton lavage, tu as l'huile de blindage. Cette huile, tu peux la mettre un peu dans ton huile de tous les jours. Ok, quand tu te laves, vous savez, quand tu te laves, tu vas forcément te coindre. Donc, tu prends ça, tu te coindres rapidement et puis tu es prêt. Une astuce aussi que tu peux faire, la cour de maison hantée, le reste, si encore un petit reste, tu mets ça dans l'huile pour te coindre. Tu as l'huile de blindage. Voilà. Donc, on a une effigie. Celui qui nous défend. Et puis, cette eau bénie, vous la mettez dans un litre et demi d'eau. Et vous-même, vous priez sur ça. Je m'accorde avec la reine Jocelyne, je bénis cette eau. Je déclare ma libération pendant que j'utilise cette eau. Donc, l'eau, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous versez au centre de la maison, vous déclarez s'il y a tout homme fort qui sort de votre, qui était planté dans votre maison, qui vous embête, vous lui commandez de sortir. Donc, l'huile de blindage, vous pouvez, cette quantité d'huile peut être utilisée deux fois. Donc, tu mets la moitié dans ton huile. Si tu as des enfants, tu mets aussi l'autre moitié dans l'huile des enfants. Voilà, ça peut durer un mois. Maintenant, le cori que vous avez ici, vous mettez ce cori, un cori dans le porte-monnaie. Donc, le médaillon. Le médaillon, si vous le mettez sur un fil rouge ou noir, vous attachez ça sur la main. Si vous avez des enfants, prenez en plus. Ceux qui ont beaucoup d'enfants, quand vous faites le kit fondation, quand vous commandez, dites on vous rajoute des médaillons dedans. Mettez ça sur tous vos enfants. Je vous en prie. C'est un médaillon que j'ai béni. On a maintenant le chapelet. Votre chapelet peut venir sous plusieurs formes. Ok, il peut être blanc, il peut être rouge. Le chapelet, vous pouvez l'accrocher au chevet de votre lit. Certaines personnes le mettent sur le cou. Certaines personnes le mettent, vous l'utilisez pour prier aussi. Hein. Donc, on a ce sachet de prospérité. Vous pouvez accrocher ce sachet à la fenêtre de votre chambre ou bien vous mettez dans votre sac à main ou bien dans votre porte-monnaie. Ok? Voilà. Maintenant, il y a cette huile d'olive. Quand tu finis tout ce que tu as à faire, tu te laves, tu prends l'huile d'olive et tu te coins avec. Tu coins ton visage, tu coins tes mains, tes bras, tu coins aussi tes pieds. Déclare que ton chemin est ouvert. On met avec l'onction sur David, quand l'homme vaisseau lui est suivi, tu déclares que l'onction vient sur toi. Maintenant, dans l'autre programme dont je vous parlais, là, le tissu ici, vous allez l'utiliser. Tu prends le tissu, tu l'attaches sur la tête et tu as des prières particulières. Donc, cette vidéo qui complète ce que je vous explique ici, c'est généralement dans mes vidéos YouTube, je mets en bas. Il y a un lien là-bas, vous vous inscrivez sur la page Podia. Et là, vous avez accès à ceci. Donc, ceux qui font fondation coûte 50 000, avec toutes les explications et les enseignements qui vont avec. Voilà, vous devez l'avoir chez les représentants. Comme je l'ai précisé, c'est pour mettre les pendules à zéro dans votre vie. Donc, ceux qui ont déjà fait ce qui est fondation, je vous en prie, faites-le au moins pendant 3 mois. Parce que chaque fois que vous avez fait ça, il y aura un démon qui va sortir. Je vous dis. Voilà. Donc, c'est tout.